Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter une nouvelle activité. Cette activité permet de progresser dans l'apprentissage de la lecture en introduisant la construction de syllabes. Donc, le dessin de l'animal, les panneaux, les couleurs, tout ça, c'est juste une idée ou bien une manière où on présente un son ou bien un phonème, un son avec un phonème pour éviter une lecture syllabique classique telle le tableau syllabique. Donc, cette activité attire l'enfant. Il demande à lire parce que il veut prendre le panneau et l'animal et les glisser et les passer dans le trou, même s'il n'arrive pas à lire. Donc, au premier pas, il veut jouer. Et à partir de son envie de jouer, on peut découvrir des lacunes et corriger des erreurs phonétiques. L'objectif plutôt, c'est évidemment aider à photographier des mots prochainement et les décoder. Donc, dans cette activité, on a besoin des photos telles ça. Donc, c'est n'importe quelle photo. On peut choisir un animal ou bien un autre objet, une autre chose, un objet ou bien une autre chose. Le principe seulement est de faire un rang ou bien un trou au milieu. Moi j'ai trouvé plutôt cette image au hasard où il y a un rond au milieu avec le phonème M. Alors je n'ai pas besoin de ce phonème. Donc j'ai travaillé juste pour obtenir le rond au milieu. Vous pouvez choisir la tortue ou bien comme je dis un autre animal ou bien un autre truc. Donc ça c'est le premier pas. Deuxième pas, on a besoin de 10 panneaux. Donc, 6 panneaux, ça c'est un panneau en carton et ça c'est un panneau avec un papier simple. Donc, c'est à vous de choisir. Le principe normalement c'est clair, c'est de. Je prends la photo de l'animal avec le trou là, je crée le phonème, moi j'ai choisi le V. Après, donc regarde, dans ce panneau, il y a les voyelles. On peut commencer par les voyelles. Donc, il y a ici, regarde, il y a le V, A, va. L'enfant glisse comme ça. Veux, fille, vaut, etc. Si je veux travailler avec des sons, je mets va, V, V-A-I, V, V-A-U. Vaut, donc voix, veut, etc. Donc, c'est une lecture syllabique. Et merci.